Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve devant un écran noir, hein, comme vous avez l'habitude, pour cette fois-ci le Grand Prix de Hongrie. Une course plutôt sinueuse et plutôt. C'est un circuit lent, hein, c'est pas un circuit des grosses vitesses de pointe. Peut-être une chance pour nous à voir, en tout cas ça va être difficile de dépasser. On va passer directement avec un réglage et pas mal d'appui. Par contre, c'est un circuit qui pardonne pas les erreurs, hein. Il suffit d'aller trop fort sur un vibreur, une accélération trop abrupte, et potentiellement c'est dehors. Donc on va quand même essayer de renouer avec les points après une course au Canem qui était malheureusement ratée. Et donc c'est parti, on va se mettre dans le baquet, on va changer du coup les settings, on va mettre High Level of Network. On va mettre. J'hésite à mettre beaucoup. Pas exagérer non plus. J'ai quand même envie de mettre celui-là. On va mettre entre les deux. Et du coup, on va se lancer pour ce tour de qualification. Allez, c'est parti. Il va falloir faire au mieux parce que là, pour dépasser, ça va être compliqué. Sortie un peu large, faut que je fasse attention, sinon on n'allait pas avoir le tour comptabilisé, donc c'est pour faire gaffe. On a perdu pas mal d'enchaînement là. Parce que dans le même secteur, pour récupérer un peu de temps, ça semble compliqué, ça glisse pas mal de l'arrière. Ouais, on va finir assez loin. 12e ou 13e, quelque chose comme ça. Ouais, 13e. Ah, c'était dommage, au début on était pas trop mal parti. C'est Lewis Hamilton, hein, qui a fait la pole devant Rosberg, Vettel, mon coéquipier 17e. Du coup, on part 13e, c'est pas bien hein, par rapport aux natures du circuit, à l'intérieur du circuit. De Williams en plus dans le top 10. On a les McLaren aussi. Bon, on va se contenter de ça malheureusement. Alors. Bon, il fait beau, déjà. C'est plutôt une bonne nouvelle. 18 tours à faire, on va mettre 10 tours avec les durs, 8 tours avec le temps. On va partir en prime. Et on choisira les options pendant la course. Comme d'habitude. Par contre, est-ce qu'on fait en sorte d'avoir plus de vitesse de pointe? Bah, je sais pas trop en soi. Bon, on va regarder le setup comme ça. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur des setups, mais bon. On va faire go to track. Allez, c'est parti pour ce Grand Prix de Hongrie 2014. Ouh, si je dis pas de bêtises, c'était Ricciardo qui s'était imposé à l'époque. Il faut vraiment qu'on fasse un bon départ pour grappiller plus de place au premier virage, sinon après ça va être compliqué. Par contre, on est en dur, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. On s'est plutôt bien élancé cette fois-ci. Attention, freinage, ça va se resserrer. Oh, pop, pop, c'est bon, l'intérieur. Oh, c'est passé comme dans un mouchoir. Oh, le départ entre les deux là. J'ai cru qu'il allait me.
Bah c'est pareil, oh mon dieu. Je me suis fait surprendre deux fois, et deux fois on s'en sort miraculeusement. Du coup, on est quatrième, très très bon départ. Ah, malheureusement, ce virage, j'ai vraiment du mal à le prendre, ce virage rapide à gauche. J'ai quasiment réussi à prendre qu'une seule fois en essai bien. Alors je suis en dur, donc ça va être compliqué. Par contre, si j'arrive à conserver ma position, enfin, si je dis ça pour leur perdre 3 secondes après, ça pourrait être bien. Hop hop. Après, de freiner plus tôt, plus tard, ça va être pas mal. Hein. Regardez, on est repassé devant. À l'extérieur, ça fait deux fois qu'on est passé à l'extérieur. Pour l'instant, il n'y a pas de DRS, donc ça va. Mais quand il y aura le DRS, ça va être compliqué. J'ai l'air d'avoir une bonne vitesse de pointe quand même. En tout cas, ça part pas pour qu'il pleuve, c'est déjà la bonne nouvelle. Parce que ce circuit sous la pluie, je pense que ça serait compliqué. Avec l'écart déjà qu'on a avec, avec les Mercedes. Qui n'ont pas fait un très bon départ parce que Rosberg est troisième. Ils arrivent à le prendre à fond, j'y arrive absolument pas. Peut-être qu'en option, ça sera beaucoup mieux. Évidemment, faut toujours faire gaffe derrière, ça peut arriver n'importe où. On connaît pas encore la dégradation des pneus non plus. J'ai quand même du mal à braquer comme il faut. Ouh, peut-être qu'il y aura des chances qu'il y ait une petite pluie. Alors ça, par contre, c'est pas une bonne nouvelle. Ma sortie était complètement ratée. Alors évidemment, il va avoir le DRS, mais on accélère un peu mieux qu'eux, j'ai l'impression. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que du coup, ils ont pas trop le temps de nous rattraper dans la ligne droite. C'est moi, on est en train de revenir un petit peu sur les Mercedes. Hamilton qui est troisième.
Il va se passer un truc. Faut vraiment faire gaffe au mur à l'intérieur, sinon il va se le prendre en pleine poire et là ça serait l'abandon instant. Pour une fois, on a réussi à bien prendre les virages. Wow, attention! Oh là 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 là, la touchette! Je pense qu'ils sont en mode attaque là, bizarrement. Ils auront beaucoup plus incisifs. Alors, ce qui serait intéressant pour moi, c'est qu'il y ait une dégradation des pneus pour eux. C'est rapide. Là, on va arriver dans le sixième tour. Je pense qu'ils peuvent tenir, hein, mais bon. C'est Vettel qui est en tête pour le stand du Grand Prix. Sur la Red Bull. Et voilà, j'ai coupé le virage, ce que je ne voulais pas faire à la base. Malheureusement, ça a permis à Alonso de passer. Malheureusement, ça va être impossible de rattraper avec d'autres rythmes la Ferrari devant nous. Donc, pour considérer ça comme une passe de perdu directement. Alors, il paraît de la pluie, bizarrement, finalement, il n'y a plus l'air d'en avoir, mais bon. La pluie. Il faut que je reste sur la trajectoire parce que je suis en train de récupérer des marbles apparemment, parce qu'ils sont pas venus de me dire. Je n'arrive pas à prendre ce virage, hein. Je ne veux pas tourner en fait suffisamment pour le prendre. Ah bon? Ah, on s'est accroché en fait. Ah ah! Ok, c'était ça le petit boum boum que j'ai entendu quand je suis revenu sur la piste. Bon, j'espère qu'on n'aura pas de dégâts à réparer parce que sinon on va perdre du temps dans les stands. Mais là, c'est vraiment pas un truc à faire ici. Oh, le temps perdu derrière, à mon avis. Il a bouchonné tout le monde.
On va pas le conserver dans le 10e tour. En tout cas, ça nous a fait de la regarder l'écart. Alors, on a 4 secondes d'avance. Je sais pas combien de temps on a d'avance sur Massa en tout cas, mais. Secondes. Ça a laissé un gros gap. Bon, il s'agit de pas faire d'erreur. Peut-être qu'on peut le prendre à fond, on se dira jamais, je tente jamais le coup. Il m'a déjà repris 6 secondes, enfin 1 seconde, Massa. Je pense qu'ils vont s'arrêter maintenant. Ok, ça s'est arrêté. Alors j'ai envie de faire un tour de plus. Mais je pense que si j'attends trop, je vais perdre du temps, mais bon. Allez, un dernier tour. L'avantage qu'on va avoir, c'est que s'il pleut, des gommes un peu mieux parce qu'elles sont plus tendres. Et pour l'instant, je vois pas la pluie arriver, il se passe rien sur le circuit, donc je pense que ça devrait être bon jusqu'au bout. En plus, le fait d'avoir personne derrière moi, ça met moins de pression. Allez, c'est parti pour l'arrêt au stand. Allez, on est en tête, mais ce que regarde, ça a arrêté, mais non, pas du tout. Traffic at the pit.
Et on ressort sixième. Allez, 7 tours à faire avec les tendres. On n'a pas perdu de place, ça c'est la bonne nouvelle. Et on a les bonnes goals, donc ça peut le faire. Donc de là aller chercher Alonso, on peut pas exagérer, hein, j'ai pas le rythme, mais au moins conserver ma cinquième place. Secondes d'avance au Massa pour le moment. Elle va avoir les temps. 4 secondes 8 contre Alonso. Et on le voit dans la ligne droite en plus. Les concentrations maximales, gros point à prendre. J'ai pas encore changé le mix. Il y a vraiment que ce virage, on a du mal. Et du coup, on gagne pas vraiment de temps. Alors, c'est vrai que ça commence un petit peu à s'assombrir au niveau du temps. Mais bon, l'important est fait, on gagne du temps sur Massa derrière nous. Et Rosberg qui enchaîne les meilleurs chronos. J'espère qu'il n'y a pas pleuvoir d'un coup parce que sinon ça va être compliqué. Faut espérer que ce soit un peu progressif. Ça embrouille tellement vite. Ça pleuvoir apparemment. Au 14e des 18 tours, donc ça fait combien? Ça fait 4 tours à faire. Sachant qu'il y a le temps d'arrêt au stand quand même qui compte. Pour l'instant, il n'y a pas intérêt à être en pluie parce qu'il n'y a pas trop de pluie sur le circuit, enfin en tout cas sur la piste. Mais enfin, il pleut quand même, hein, ça se voit. Allez, certaines courses vont être compliquées. On n'a pas repris de temps pour le moment.
On doit lui forcer son rythme, je pense, pour pas trop se faire attraper. Est-ce qu'on tentera le coup de pas s'arrêter si eux s'arrêtent? Ça, c'est la grande question. Allez, quand on va un peu voir fort, j'ai peur que ça aille très très vite. Est-ce qu'on fait un tour en plus ou pas? Et je continue encore un tour et après on va s'arrêter au stand. On pourra pas la catch, ça c'est sûr. Pas encore de pollution d'eau. Ça commence à glisser à l'accélération. Ouais, il va falloir s'arrêter. Alors, on va s'arrêter au stand. Allez, intermédiaire pour les derniers tours. Ça s'arrête aussi chez les autres. On voit les. Tout le monde est dans les piles là. J'espère que l'intermédiaire ça va aller. Il faut que j'attende en plus. Aïe aïe aïe. L'intermédiaire, on a peut-être dû prendre des full wet finalement. J'ai l'impression qu'on a une stratégie à peu près similaire aux autres devant nous, quoique Lando s'est pas arrêté. Ah, par contre, si Lando s'est pas arrêté, on va prendre beaucoup de temps d'un coup. Ce qui est sûr, c'est qu'on va plus s'arrêter. Je pense qu'on a pas mal recollé, mine de rien, en temps pur. Je pense qu'il doit être au stand d'Alonso. On avait 18 secondes d'écart. Il va ressortir juste devant. Il aura sorti un intermédiaire aussi, j'ai l'impression. Ah, malheureusement, le temps perdu dans les stands avec le fait de devoir laisser passer Massa nous a peut-être perdu la fait perdre la quatrième place. Mais
Ça, il est à 4 secondaires, hein. On n'est pas encore protégé non plus. Il va rester un tour à faire. Ça va être compliqué, il va falloir maintenir Massa maintenant. On est loin d'être le plus rapide en piste. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de DRS. Allez, c'est le dernier tour. 3 tours, 3 secondes d'avance sur Massa, 3 secondes de retard sur Alonso. On n'a pas pris les slicks, enfin les slicks, pardon, les pluies. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Mais là, je pense que bientôt ça aurait été nécessaire de les prendre. En tout cas, dans le premier secteur, on a maintenu notre écart entre les deux. Déjà ça de gagner. Quand je disais que tout va se jouer au départ, bah c'est ce qui s'est passé. Hein. Le fait d'avoir gagné beaucoup de place au premier virage, ça nous a sauvés. Après, il n'y avait plus qu'à pas se faire dépasser. En tout cas, il fallait pas un tour de plus. Regardez-moi ça, le patinage artistique. Et on va du coup finir 5ème. Oh, c'est très bien. On va marquer des bons points là. En plus, on a fini devant une Williams. On a battu McLaren et on a battu Williams sur cette course. Très très bonne nouvelle pour nous. On est parti 13ème sur la grille, je rappelle. Il n'y a que Hülkenberg qui est parti 11ème qui a marqué des points aussi. Johnson Button a gagné 2 places. Par contre, c'est Kimi Räikkönen qui est pas mal reculé. Et du coup, on marque 10 points. Victoire de Rosberg sur cette course. Et donc, pour le coup, on est 6ème au classement. On est repassé devant les autres. On est le 6ème et meilleur des autres, hein, tout simplement. Parce que Kimi Räikkönen est un peu loin. On va voir du coup le championnat. Alors, championnat pilote, bon, on l'a vu, 68 points. Le championnat constructeur va être intéressant. On est pour le moment toujours 5, toujours 4ème. Et on a. Alors, on a légèrement repris de l'avance Williams, mais c'est pas fou. Et un peu plus sur McLaren. On va voir pour la suite. Mais en tout cas, on s'est sauvé. On s'est sauvé sur le Grand Prix. Il reste encore nombreuses courses à faire. Mais pour le moment, on part très très bien. Je pense que de toute façon. Le top 7 est assuré. Je vois mal comment Toro Rosso, Lotus, Marussia et Caterham vont nous battre. Et même Force India, je me demande s'ils vont réussir. Donc on va quand même essayer de se battre jusqu'au bout pour la 4ème position. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour la suite. Ciao tout le monde!